Bonjour à tous, nous sommes toujours à Salers pour la pastorelle, en présence actuellement de Charles Dosé, fondateur de Matco. Comment tu vas, Charles? Ça va et toi, Alexandre? Très bien. Donc, comme je viens de le dire, tu es l'un des fondateurs de Matco, une entreprise 100% cantalouse qui fait parler d'elle depuis un petit moment, nationalement et internationalement. Est-ce que tu peux nous présenter l'origine de Matco et puis surtout nous parler un petit peu de la médiévale, la course que vous organisez depuis l'année dernière sur la pastorelle? Oui, Matco, ça a commencé il y a à peu près 4 ans, juste avec une bande d'amis qui est toujours là aujourd'hui. Et en fait, le week-end, pour s'occuper, on faisait des trucs un petit peu originaux. Enfin voilà, on avait la chance d'avoir un lac et on avait construit un toboggan où on se tractait dessus. On a fait une première vidéo en filmant juste avec des téléphones portables un petit peu comme ça à l'arrache. Il se trouve qu'il y avait eu pas mal de succès sur Internet, puis on a continué à faire d'autres vidéos. Et voilà, et c'est là qu'est née la marque Matco et on a continué comme ça de créer des événements un petit peu décalés, faire de la vidéo et puis voilà, bon, pas mal de projets comme celui là aujourd'hui, donc la médiévale en collaboration avec la pastorelle. Et donc l'idée, c'était eux qui nous avaient contactés, ils nous avaient dit il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble pour la 20e année, c'était l'an dernier. Et l'idée, c'était de faire une course d'obstacles, un petit peu voilà déjanté dans le style de Matco, et avec le côté voilà course, montagne, de la pastorelle. Donc voilà. Et puis là, c'est la deuxième édition, on remet ça. D'accord. Il y a des nouveautés, des choses que vous avez changées, des choses que vous avez améliorées? Ouais, on a fait des petites améliorations. On s'était rendu compte que l'année dernière, que les gens partaient un petit peu trop loin dans les prés, et ce qui leur avait beaucoup plu, c'était le passer dans Salers, dans les petites ruelles. Et donc là, on s'est beaucoup plus focalisé sur le centre du village. On a fait un petit peu plus d'obstacles, on a fait un deuxième tour, enfin, il y a des endroits où ils passent deux fois les participants, du coup c'est plus condensé. Ok, super. Ouais. Et il me semble que vous avez un autre gros projet avec Matco d'ici août, un festival? C'est ça, ouais, on organise le tout premier Matco Festival le 3 et 4 août à Chélade, donc c'est derrière le Puy-Marie, pas très loin d'ici. Et donc voilà, l'idée c'était de faire quelque chose autour des thèmes de la nature, de la musique et de l'adrénaline. Donc voilà, on est dans un lieu magnifique sur un lac et on va fabriquer des toboggans aquatiques, mettre des slacklines. On a des artistes qui viennent d'un petit peu partout en France et voilà, on attend 1500 personnes le 3-4 août pour ce premier festival. Donc ce sera sur deux jours? Ça sera sur deux jours, c'est ça. Ouais. Ça commence le samedi le matin et ça finit le dimanche soir. Ok. Merci beaucoup Charles. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les rendez-vous pour la médiévale qui va se tenir dans pas longtemps? Ben, le rendez-vous là, c'est 18h30 là-bas.